l'ennui, à l'attente. La gare du Nord peut paraître un endroit bien morne. Et pourtant, avec le shaker qui est votre tête, mélangez-y les pictogrammes et les phrases que vous trouvez un peu partout et vous rendrez compte que ce lieu est d'un extraordinaire fluctuescence de jovialité. Regardez. Prenons par exemple ces panneaux qui habillent la gare. Prenez les mots qui sont écrits dessus et composez avec de petites phrases rigolotes. Comme « Des choux de Bruxelles, pas avant midi. Des enfants électrifiés gratuits, c'est mortel. » Mais vous pouvez aussi vous aider des pictogrammes indicateurs pour inventer vos phrases. Il est interdit de fumer les bras écartés. L'amour entre un contrôleur et un taureau, ça fait mal. Et puis, viendront à vous de vraies jolies histoires. Dinan, lundi 2 février, 16h03. Un pickpocket boit un café. Il a rendez-vous avec Carla Bruni. Ailleurs, à Forêt, Valentin et ses enfants font du manège, au parc d'attractions. Valentin dit « Faites du sport, voyagez, faites un saut aux eaux, ça mange pas de pain !» Carla Bruni est amoureuse de Valentin. Un grand arôme l'envahit, c'est une grande journée. À 16h17, Carla Bruni prend le train. Le pickpocket lui donne un billet pour Bruxelles. Le billet coûte 200 euros. Comment l'éviter? Le pickpocket dit « Emmenez un enfant, un landau et un chien. Faites une bonne voix au contrôleur et c'est gratis !» C'est classe, dit Carla Bruni. 16h38, Valentin balance ses enfants à l'atomium. Il saute dans une calèche retrouver son amour. Respect. Au contact de Carla Bruni, Valentin lui dit « Petit chou, petite puce, petite otarie, allons boire un verre, manger des araignées de mer, voir un concert. » Carla Bruni dit « Mortel !» Ils sourièrent, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On pensait naïvement qu'il ne s'y passait rien à la gare du Nord. Eh bien, détrompons-nous, avec un peu d'imagination, c'est un monde merveilleux.